bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur God of War. Nous en sommes à l'épisode 4. On est parti, installez-vous confortablement. N'oubliez pas le j'aime. Si cet épisode vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et le commentaire, j'en parle même pas. On a encore beaucoup de choses à découvrir, très clairement, on va pas se mentir. On est à l'épisode 4 et pourtant on a quasi rien fait. Et c'est ça qui est incroyable. On va aller s'attarder un petit peu sur l'app de compétences parce que avec l'XP accumulé, on va pouvoir augmenter pas mal de trucs. Donc on peut augmenter soit le combat à distance, aucun souci jusqu'ici. Il faudrait que j'augmente de niveau, je pense. Soit la hache Léviathan, d'accord. Soit c'est pas terminé, le bouclier on peut aussi augmenter, soit le combat au bouclier, putain c'est incroyable tout ce qu'il y a à faire hein, vraiment, et on peut aussi augmenter le combat magique et l'arc de notre ami et fils avant tout Atreus, donc il y a beaucoup de choses à faire. Alors on va commencer peut-être par augmenter la hache avec un puissant coup final après un enchaînement d'attaques rapides R1 R2, ça j'aime bien parce que je le fais très souvent. Et ça, j'achète. Très très bien. Ok, donc mes combos vont avoir un petit peu plus de gueule. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a là? Maintenir R1, non, ça j'y penserai pas. Bon, on va rester sur notre hache pour l'instant, hein. Vraiment, ça me paraît pas mal. On va prendre ça. Bon, ça commence à avoir un petit peu de gueule. Et ça fait extrêmement plaisir. On est parti, on continue. On avait un coffre de l'autre côté que je n'ai toujours pas réussi à prendre. Je parle de celui-ci. Comment y aller? Telle est la question. Parce qu'on a une chaîne ici. Hein. On a une chaîne. Et on a l'impression qu'on peut aller, regardez. Ah ouais, ça se casse, on peut y aller. Il y a même de l'argent. La hache m'a ramené de l'argent. C'est incroyable, il y a trop de trucs, il y a un coffre tout en haut aussi. C'est assez insane hein, tout ce qu'il y a à faire. Ou alors de l'autre côté du pont en hauteur. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal aussi. Bon, on va pas rester bloqué ici 20 ans, hein, vous l'aurez compris. Il est temps d'avancer, c'est pas grave. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, j'en suis même quasi sûr. On est parti, c'est par où? C'est par ici la sortie. Yo les gars! Alors, l'épisode 3, on va pas se mentir, énormément de combats. Ah, c'est quoi cette odeur? Maintenant! Ce sont des Eliens? Quoi? Ils sont vivants, regardez! Préparez les feux! Zygmunt, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie. Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Ok. Allez, ça dégage. Hop. Hop. Distribution de claques à domicile. Ok, c'est de simples humains. Attendez une ouverture. Allez, ça dégage. Hop. D'autres questions peut-être? Mais pourquoi vous faites ça les gars? Ah! Toi par contre t'es un petit peu différent. Hop, ça a pris ce qu'il mérite. Hop, ça prend ce que ça mérite aussi. Les gars mais... Bah oui. Ah! Bien joué! Atreus! La transition est passée crème de ouf, les gars. La transition est super bien passée. Atreus? Atreus. C'est donc eux qui se transforment. Très très bien. C'est la merde hein. Reste ici. Déjà 1 c'était la galère, l'épisode précédent. Mais alors 3, 4. Je m'en occupe. 3. Ouais, vite fait hein. Je suis pas méga chaud là d'un coup. Allez, Atreus. Ok, ça c'est bien. Coup de bouclier, c'est pas mal. Ah oui, non, c'est vrai que c'est le point. Non, c'est bon, plus aucune galère. Aïe!
Ok, ça c'est une belle esquive. Ça c'est une belle esquive. Oh là là, dommage, dommage, j'ai presque esquivé. Oh, oh, c'est pas mal ça. Il peut plus m'aider, hein. Aïe! Ok. Ça, c'est pas mal, ça! Allez, ça dégage. Ok, on range la hache, aucun souci. Et bien voilà! C'est terminé, ça dégage. Bon, vous aurez compris... Ils sont revenus de qui, pardon? Ils sont revenus. Ah oui, c'est terminé. Je veux partir d'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. C'est ici. Ouais, tu sais, fils, hein, ça c'est les trucs nordiques. Hein, ils reviennent à la vie et tout. Ah bah, c'est de la mythologie. Hein, dans mythologie, il y a mytho. Hein, Oui. Allez, mon Atreus, hein, faut y aller. Hein. Atreus, ça te tente de m'aider ou... Atreus ? Atreus, trou du cul Snabus ! Il faut m'aider, Atreus ! Atreus, la chaîne. La chaîne. Ah, ça va, fais pas le blasé ! Atreus ! Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Eh bien voilà ! Bon les gars, vous l'aurez compris, mon fils est infragile. On sait pas encore si c'est mon fils, hein. On n'a pas fait les tests ADN, mais là il est gifra de ouf. Va falloir qu'il se ressaisisse très vite, hein. Sinon je brûle tout, hein. Ça va m'énerver tout ça. Hein. Ok, là on a rien, donc clairement c'est pas ici. On a quelque chose, hein, pour longer. Et on a aussi quelque chose en bas. Écoute-moi, pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. C'est tellement stylé quand il parle, c'est insane. Continuons en direction de la montagne. Hop, désolé, hein, ça c'est le petit réflexe à chaque fois. C'est parti. Okay, je ne sais pas ce que j'ai trouvé. De l'acier doux cette fois. Et là, on a quelque chose en bas. Qu'est-ce que ça peut être? Viens, Atreus. Ok, très bien. Mais on vient de par ici, d'où Jésus? D'où Jésus, d'où Jésus? Par contre, on a quelque chose de très sympa. 10 XP, je prends. On vient de par ici, que se passe-t-il? Ah! Ah d'accord, il y a un corbeau, il m'a percuté, frère, il est mort! Continuons en direction de la montagne. Attendez, vous déconnez! Vous êtes en train de me dire que si j'étais direct à droite, c'était bon? C'est très bizarre! Ok, c'est très bizarre! Ce qui s'est passé entre l'épisode 3 et celui-ci. Parce que le chemin est par ici. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Pourquoi on avait... Non, on venait d'encore plus bas, je crois. Ok, très bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est là-haut? C'est la maison? Ok, non, c'est bizarre. Frérot? Oh, ça, c'est le marchand. Oh, ça c'est le marchand. Traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Tu avais raison. Hey, tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars.
T'es bien un petit gars, non? Elle a un nom? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi? Brock. Vera Logan. Tu sais, tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère. Une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'escater. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir. Mais où est l'autre moitié de la marque? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. Ça me parle. Très bien. Bienvenue dans la boutique. Bienvenue dans l'atelier des nains. Ici, vous pouvez améliorer les équipements que vous possédez déjà ou en fabriquer de nouveaux. Appuyez sur la flèche de droite, amélioration. Le niveau de puissance est à droite. Ça, c'est vraiment insane. Ils ont créé du ça. Ok. On a même la description. Vous pouvez augmenter les dégâts infligés. Et chaque stat confère un avantage au combat. Appuyez à nouveau sur L3 pour masquer la description. Très bien. Quand vous améliorez un objet, le niveau de puissance et les stats obtenus s'affichent sur la carte de l'objet. Et sont aussi reflétés sur le tableau de stats de Kratos. Donc là, je vais utiliser la ressource flamme de glace. Allez, mon pote! On a amélioré la hache, Léviathan. Et ça, c'est cool. Elle est beaucoup plus... ouais, quand même. Elle a le double de puissance. Et ça, à mon avis, on va quasi pouvoir one-shot les petits mecs qui nous faisaient chier au début. Il fallait leur mettre 3-4 coups. En améliorant vos armes, vous déverrouillez de nouvelles compétences pour les acheter dans l'onglet compétences du menu pause. Aucun souci. Maintenant, allez dans fabriquer. Oh, d'où Jésus ? Je vais peut-être pas me presser, on va prendre force plus défense, ça me paraît pas mal. Ça, c'est du matériel de qualité. Voilà. De connaissance, ça va faire une journée. Ok, équipé maintenant. Voilà, on a gagné 12 de force, ce qui est assez insane. Et 4 de défense si tout va bien. Et c'est pas mal. Et je peux améliorer donc l'arc au cerf aussi. Et je peux améliorer la protection au torse. Je sais pas si on croisera souvent, c'est ça le truc en fait, vous voyez? Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache! Y'a de la place pour moi? Ouais! D'accord. Pour l'instant, j'ai du mal à voir si vraiment ça fait beaucoup plus de dégâts. Ok. 1, 2, 3. Ah putain, dur. Alors, 1, 2, 3 et 4, voilà! C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, je vais beaucoup compter, les gars. Ok, belle esquive. Mais il est où, Atreus? Mais les gars, il a plus son arc, hein, je crois. Un autre joke, hein. Je peux pas l'utiliser. Voilà, ça dégage. Et toi, frérot? Il bug, hein. Il faisait un moonwalk dans la porte. Ah oui, d'accord, le coup est vraiment puissant. Ouais. Allez, ça c'est fait. Hop, ça on prend, c'est l'XP. Je suis pas sûr. Ce chemin, il mène à la montagne? C'est la bonne direction, ouais. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? Est-ce que faut se presser? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos avis. Est-ce que d'après vous, il faut se presser, acheter tout ce qu'on peut? Ou est-ce que franchement on va le croiser souvent? Je pense quand même qu'on va le croiser souvent. En tout cas, dans chaque zone, il sera là.
Oh, oh, ça c'est pas mal. Je l'avais même pas vu. Eh ouais, mais. Hey, masque trouvé de sourneuf. Moi je l'avais vu, mon petit pote. Ouais, donc il y avait bien le trésor de derrière. Il y avait bien un moyen de le récupérer que j'ai malheureusement laissé. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, on peut continuer, les gars. Mine de rien, on a à peine avancé. On était juste en dessous, dites-vous, hein. C'est incroyable. Ravi de t'avoir rencontré, Brock. Je vais réfléchir à un nom pour ton animal. Et si je l'appelais Grand Chauvin-Gras? Hé, Grand Chauvin-Gras, viens là. Ça me plaît bien. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ton frère a la moitié de votre marque? Parce que je veux plus jamais travailler avec ce lèche-botte. J'allais pas le laisser l'utiliser tout seul, et lui non plus. Alors, la seule solution, c'était de couper la marque. 50-50, pile au milieu. Y'a plus que là-dessus qu'on était d'accord. Ok, 10 contre 1, son frère, on va le voir aussi. Bien, Atreus. On a quoi par ici? On a aussi... Ah, bah c'était là, les gars! Yes, yes, on est bon! C'était ici qu'on pouvait faire le tour, donc le trésor, on a pu le récupérer. Impeccable! Les gars, tu m'as laissé me battre seul. Oui. Les hommes, c'est une chose. Tout le reste, tu dois le combattre. Jusqu'à ce que je t'arrête ou qu'on soit mort, c'est compris? Fais un effort ou on rentre à la maison. J'ai compris. Bien. Et ben voilà. On va pouvoir ouvrir. Raccourci, oh, ça c'est fait. On est revenu ici. Ouais, ouais, t'inquiète, on n'a pas besoin de revenir ici. On a tout récupéré, impeccable, on peut monter, on peut continuer. Jusqu'ici, les gars, ouais, je vais pas vous dire qu'on a fait un sans faute, mais franchement, les deux derniers épisodes, on est passé à côté de rien. Mais faut quand même réfléchir, hein, faut quand même réfléchir pour récupérer tous les petits trucs parsemés à gauche, à droite. Et ça, c'est plutôt pas trop mal. Donc cette fois-ci, on va pouvoir avancer. Je me demande si arrivé, par exemple, au milieu du jeu, on va pouvoir venir. Voilà, simple question. Soyez prudents là-dedans. Cet endroit vous fera pas de cadeaux. Ok. Continuons en direction de la montagne, on y va, les gars, aucun souci. Allez, viens, Atreus, hein. Ça va découper sec, hein. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's, hein. Par ici. Ok, c'est pas mal. Lui, il a rien. D'habitude, des soldats, on dirait quoi? On dirait des Spartiates à l'ancienne. Ah oui. Ah oui, c'est un délire. J'ai peut-être ma petite idée. Regardez bien. Encore. Encore. Encore, encore. Voilà, ça c'est pas mal, mon pote. Attends-moi ici. Ok. Ok, faut clairement pas que je fasse triangle. Si je fais triangle, c'est la mort du petit cheval. Allez, ça dégage. Bon, oh, un beau coffre, d'où Jésus. C'est dommage, on peut pas les mettre dans les pics derrière, ça serait énorme. Ah, il est tombé. Ok, j'arrive, les gars. Faut m'aider, hein. Faut m'aider, Atreus. Sinon, c'est le bordel. Et toi? On va résumer, les gars. On va faire un petit résumé de notre aventure jusqu'ici, à la fin du 4e épisode. Parce que franchement, j'ai l'impression de ne même pas avancer tellement s'arrête pour tout, et je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, mais dites-moi si je peux accélérer la cadence, hein. On peut louper beaucoup de choses, mais dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Parce que moi je kiffe bien jusqu'ici prendre mon temps. Ok. Bon, attends, bouge pas, parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants un peu partout. Là on a encore un coffre avec des... Oh. Oh, d'accord. Ok. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau ce que je... Oh! Oh, d'où Jésus! Il est mort. Il est totalement mort. Ok, ça, on va casser. Attends, fils. Parce que là, c'est la merde. Là, papa, papa, c'est la merde. Où t'es, papa, où t'es, hein? Tellement de trucs, putain. Ok, là, on peut pas... Très bien.
Ah, désolé, hein, c'est mon petit côté un peu triso. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok. Forcément quelque chose à faire. Là on a... Ah... Je crois avoir pigé. Il y a que l'eau à avoir compris. Il va falloir que je passe en haut. Vas-y. J'arrive. Très bien. Ok, c'est bon, on est bon. Là on va pouvoir monter. Maintenant si on rebaisse derrière comme ceci, ça va baisser la plateforme qui va nous permettre d'accéder au coffre. Très très bien. C'est même un petit peu... Oh regardez. Ah non, 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 c'est la porte que j'avais ouverte tout à l'heure. Ok, on est bon, on croit que je peux y aller. Encore. Yes. Bon. Je n'ai pas l'intention de nous laisser mourir. Allez, un saut, c'est fait. Donc ils sont à côté, hein. Clairement, ils sont à côté. J'ai une idée. Oh là 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 là, insane. Insane 2 sur 3. Ça, c'est pas mal. Bientôt, notre santé max augmentée. Si on arrive à retrouver un autre coffre. Ah non, c'est pas... Ah, c'est pas la même chose. On a collecté une corne sur 3. Sanglant nécessaire à l'augmenter. Ah, votre rage maximale aussi. Ok, donc des coffres comme ça, il y en aura, je pense, vraiment beaucoup. Parce que on peut augmenter, donc... Laissez-moi calculer. Alors, il y a 9 coffres de santé max et 3 coffres de rage au minimum dans le monde. Ça va être intéressant, ça va être très intéressant. On peut passer par ici, ok. Bon, ce serait un petit peu con de redescendre. C'est juste un petit coffre. On peut tracer. Il s'est TP ou quoi? Attends, je suis fou, les gars. Allez. On peut y aller, on l'a pris. Ok, ça c'est fait. Des masques trouvés, 3 sur 9. Énormément de choses à trouver, les gars. Wow. J'avais jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande. J'aurais voulu que maman voie ça. Allez, viens. C'est mignon. C'est mignon. Kratos a presque eu un moment d'émotion. C'est incroyable. Oh là là, comme c'est mignon tout ça. Hop, toi, je te raquette, hein, frérot. Je suis désolé, mon poteau. Allez, masque 4 sur 9. On a pas mal de masques avec ces conneries. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Eh, hey, regarde ça. D'où Jésus? Qu'est-ce que c'est? Atreus. Regarde, il y a des runes sur le côté. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme? Il y a peut-être un indice quelque part. Ce que nous sommes à deux, à trois, peut être seul. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir tourner, il va falloir reconstituer. J'ai l'impression que ces cercles devraient tourner. Oui, oui, c'est ce que je viens de dire. Je répète exactement ce que je suis en train de dire. Ok, on a quelque chose ici, très bien. Donc je suppose que l'énigme est pas là alors, hein. C'est le seul chemin. Ah, ça me rappelle Uncharted, c'est pas mal ça. Allez, on y va. D'accord. J'ai compris, regardez. Regardez, regardez, regardez. D'accord. Ça fonctionne toujours pas. J'ai compris, calme-toi. Calme-toi, je vais t'arracher. Je crois que cette partie est en place. Ok.
Ouais, là ça me paraît pas mal. Incroyable. Je vois les runes. Tellement stylé. Atreus, que disent ces runes? Oh, ça dit famille. C'est pas un indice, c'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment? Kinslow. Il s'est passé quelque chose! Ça a marché! Ça, c'est la porte des étoiles ou quoi, frère? Il est où, Tilk? Je suis content d'avoir rencontré Brock. Mais je suis encore plus content de quitter cet endroit. C'est derrière nous, maintenant. Ok, attendez, gauche ou droite? Les gars, c'est terrible, c'est terrible. Ok, le marchand derrière, on peut y retourner à tout moment. On va à gauche, voilà, bonne pioche apparemment, parce qu'on a eu un petit trésor bien sympa. Le cinquième masque sur 9, et puis on peut à la droite maintenant. Eh mais c'est nickel tout ça les gars, et franchement on s'en sort comme des champions voilà. Vraiment. Ok, ça je prends, c'est pour le plaisir. De quoi, attends. C'est une forêt mon cher Atreus, c'est un arbre, ce qu'on appelle un arbre qui n'est pas enneigé. Atreus, regarde ces traces. Peut-être un sanglier, je suis pas sûr, mais je le trouverai. Vas-y. Chasser avec Atreus. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Eh bien, on va s'arrêter là, on va chasser l'épisode prochain. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. À très bientôt, à demain pour l'épisode 5 de notre aventure. À très vite tout le monde, ciao ciao.